cette école de prise de parole que je porte et que je suis en train de vous présenter est unique à l'île de la Réunion et même au monde parce qu'elle se base sur des principes millénaires. La parole, c'est un peu comme une route que l'on va prendre. Alors, le véhicule, on peut dire c'est la voix, l'expression, le geste, mais aussi parfois l'art et tous les moyens qu'on a à disposition pour s'exprimer. Et cette route, en fait, elle existe en nous, à travers notre génération, mais aussi à travers tous ceux et celles qui sont venus dans l'histoire de l'humanité. Si pour vous, ça vous semble que c'est important d'écouter la voix d'un chef d'entreprise, d'un salarié, de quelqu'un qui est au RSA, de quelqu'un qui n'a pas forcément l'opportunité de s'exprimer habituellement en société, eh bien, je vous invite à en parler. Cette école de prise de parole que je porte et que je suis en train de vous présenter est unique à l'île de la Réunion et même au monde parce qu'elle se base sur des principes millénaires. Initier une prise de parole, qu'elle soit citoyenne ou pas, qu'elle soit dans la famille ou non, qu'elle soit dans votre entreprise ou dans votre école, cette parole est importante, cette affirmation de vous-même est essentielle et plus vous allez oser le faire et plus vous allez inviter chacun à être d'une totale sincérité avec elle-même et avec les autres. Le monde que je vois, la société que je vois aujourd'hui est à soif d'honnêteté, de sincérité, de transparence. Et nous sommes aujourd'hui à un carrefour de l'histoire où nous allons, soit encore une fois, choisir de nourrir notre image, nos affaires, ou alors de mettre nos affaires et notre ego au service du bien commun. Mais sans que ce soit un discours politique, sans que ce soit une promesse d'avenir, mais une réalité vécue et présente. L'art de persuader ou l'art de parler vrai sont deux dimensions de la prise de parole que je transmets. Dans le lien suivant, je vous ai préparé un test pour connaître votre profil d'orateur ainsi que des contenus gratuits pour en savoir plus sur mon histoire et sur l'école de pensée que j'ai créée. Je vous invite à prendre la route ensemble avec les moyens qu'on a les uns les autres, avec les outils qu'on a, qu'ils soient numériques ou pas, que le son ou la vidéo soit bonne ou pas, on avance avec ce qu'on a. Sentez-vous libre de répondre aux questions de ce questionnaire, vous pouvez le faire de manière anonyme ou pas, vous pouvez le partager avec d'autres gens, c'est très important qu'il y ait une grande sincérité dans vos réponses. Il y a des questions à choix multiples, mais bien entendu, il y a une partie aussi qui vous permet de vous exprimer librement avec vos propres mots. Donc, osez dire ce que vous avez sur le cœur et ce que vous pensez, parce que c'est avec ça que je vais pouvoir vous indiquer les bons outils afin de pouvoir prendre une parole saine, heureuse, enthousiaste, en société, une prise de parole citoyenne et publique.